Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people des artistes d'ici et d'ailleurs. Bien évidemment, vous êtes dans le Fa-Fa, votre émission préférée. Recevez votre humble serviteur, votre animateur, que je suis le César Serge Dufalé, la légende vivante. Mais je ne suis pas seul, comme à pour mon habitude, je suis toujours avec mon binôme, l'homme aux questions, Tony Piquante, le Big Anaconda. Anaconda! Alors aujourd'hui, pour ce numéro, nous recevons une légende. Une légende parce que c'est quelqu'un, avec sa musique, elle a bercé des générations, je dirais. En passant par nos aînés, nos parents, vu que sa musique a transcendé le temps et jusqu'à présent, elle est toujours là. Et elle est tellement expérimentée que jusqu'à aujourd'hui, ses musiques demeurent et perdurent. Et même ses nouveaux sons qu'elle sort sont d'actualité. Dames et messieurs, recevons ici dans le Fa-Fa une légende de la musique, je dirais plus africaine, notre maman, une mère pour cette nation. Notre maman, une mère pour cette nation. Maman Sidonie la Tigresse. Maman, est-ce que je t'ai présenté comme il se doit? Parce que tu es une maman, on ne s'amuse pas. Tu m'as présenté comme il se doit. Tu es une légende. Ce que tu as dit là, c'est bon. Alors, tu m'as appelé là, on n'a qu'à parler ça. Ah, Anaconda, maman est là, hein. Ah, tu sais, quand une maman est là, on ne parle pas trop. Donc, il fallait, je te laisse la parole auprès bon. De maman. Ok. Ah, pas mal, t'as peur. Ah, moi, j'ai peur. Parce que maman. Ah. Parle. Moi, j'ai peur, maman. C'est parce que tu veux dire là. Non, petit. Moi, j'ai peur. Parce que, pourquoi j'ai peur? Ton papa, là, il était chasseur. Il tuait les tigres. Ah, il va te tuer. Il tuait les tigres. Et toi, tu t'appelles la tigresse. Ah. C'est pas ça? Sinon, j'ai été tué, quoi. C'est vrai, papa était chasseur. Non, non, je n'ai pas fusil ici. Mais est-ce que papa, votre papa, il était chasseur? Mon papa n'était pas chasseur comme chasseur. Mm-hmm. C'est un monsieur qui travaille, un bon travailleur, mm-hmm. qui aimait la danse. Mm-hmm. Sans lui, quand on dit, eh, konamboye blaoué, yo, blaboye, klemaye, s'il y a un truc de tam-tam, s'il n'est pas là, on ne peut pas. Ça dit, c'est un monsieur à tout faire. D'accord. Voilà. Sinon, pas un chasseur comme un vagabond qui ne va pas au champ. Mmh. C'est la chasse qui le nourrit. Non. Mmh. Mais il était un peu chasseur. Quand même. Oui. Mmh. Parce que en partant au champ, il a vu le tigre. D'accord. Qui était en train de gâter son cacao. Personne ne peut tuer, mais c'est lui qui l'a tué. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Sinon, c'est pas comme si. Mmh. Mais maman, d'où te vient ton nom, Sidonie la Tigresse? Mais papa a tué tigre. On m'appelle Grawa. Grawa. Quand on dit Grawa, le fait qu'il a tué le tigre, les gens l'appelaient Gra. C'est-à-dire, il était tigre. Personne ne pouvait aller au champ à cause de ce truc-là. De ce tigre. Ouais. Donc, moi, quand j'ai fait ma chanson Jalousie, c'est ça qui vous plaît aujourd'hui. Mm-hmm. Il dit au village, je m'appelle Grawa, appelez-moi la tigresse. Je me suis renseigné, j'ai dit, mais si j'ai dit, on a qu'à m'appeler la tigresse, on dit quoi? Ceux qui comprennent français, qui savent lire, là, dit tigresse. Mais plein, mais tigresse. Anaconda, voilà l'affaire qu'elle a. Voilà, c'est ça qu'elle a, c'est ce que je t'avais dit. Ah, alors, maman. Tout à l'heure, on t'a vu dans les locaux d'Ivoire TV en bonne compagnie de ton manager qui est aussi, je te laisse le soin de le dire. Mon manager là. Oui. C'est un monsieur, franchement, Djuraoko Anyamara. On doit le nourrir. Anaconda, ça veut dire quoi? Anyamara. On a qu'à le garder, c'est le nourrir. C'est un monsieur, on doit lui donner tout. Mm-hmm. Et c'est un monsieur qui n'a pas d'ennemi. D'accord. Un monsieur sans façon. Mm-hmm. C'est le manager. Oui, c'est le manager. Mais en même temps aussi, c'est le mari, n'est-ce pas, maman? Le papa de mes enfants. C'est mon mari. Mm-hmm. Mais si tu as vu qu'on a fait près de 100 ans ensemble, ouais. Et puis je suis encore assise là. Waouh, combien c'est d'années est, 50 ans de mariage. L'âge de mariage, je te dis ça aujourd'hui encore. Tellement c'est beaucoup même. Mais maman, il devient ton manager d'artiste pendant combien d'années?
Pendant combien d'années, pendant combien j'ai commencé à chanter là, c'est dans ça là. Mmh. Ouais. Mais ça vaut 30 ans que tu chantes ou 30 ans là, mmh. C'est pas petit. C'est petit, mmh. Hein, Anaconda. C'est petit. Non, 30 ans, c'est petit. Maman, elle, ça vaut 30 ans, oui. Oui. Ah, quand tu dis c'est petit, elle dit ça vaut 30 ans. Non, tu sais pourquoi c'est quand vous n'avez pas dit que vous aimez quand vous ment. Quand on vous ment là, c'est ça, vous êtes content. Mmh. Moi, je n'aime pas mentir, j'aime bien. Mmh. Voilà. Mais pendant tous ces temps que vous êtes ensemble, on sait plus 30 ans, mais moins de 30 ans, il n'y a pas eu des périodes où ça n'allait pas, où vous êtes séparés un peu, où vous n'allez êtes pas séparés pour aller où? On fait notre parole à la maison. Mmh. Quand il voit que ça ne va pas, il sort. Il s'en va quand le temps il va arriver. Mmh. Mmh. Mais il va où? Je dors. Il sort, il s'en va en ville. Toi, mais quand un garçon sort là, il s'en va faire quoi? Comment il peut sortir comme ça? Ah bon? S'il n'y a pas là, bang bang, quand il devient bang bang, là, il sort. Il sort quand le temps il va arriver. Tu ne le retiens pas? Je suis couché, il dort. Il vient, il c'est là, matin il est parti. Tu as fait pas là avec qui? Mais quand il vient là, il mange non ou il ne mange pas? Pourquoi il ne mange pas? Est-ce que lui, il s'est préparé et puis il ne va pas manger? Comme il y en a quand ils se fâchent, quand ils vont dehors, ils mangent dehors là. Et quand il y en a, ils sortent, ils mangent dehors, c'est quand les femmes là, elles savent même pas ce qu'elles font, ça, quoi, ça. Marie là, on mm-hmm. trouve plus. Ça dit Marie, on dit Marie là, il y en a plus. C'est vrai. Il y a garçons, oui. Il y a des garçons, des jeunes, bien jolis. Mm-hmm. Jolis là, c'est pas ça, on cherche. C'est vrai, ici c'est là. Non, parle, faut parler aux jeunes filles d'aujourd'hui là, parle un peu aux jeunes. Les jeunes filles d'aujourd'hui là, excusez-moi, ne cherche pas celui qui est joli là. Joli là, c'est rien. Joli là, foïta là. Et celui qui a l'argent? L'argent là, c'est pas bon. Ouais. Si tu dors sur l'argent, tu as te réveillé sur le soleil. Ouais. Vous vous donnez 1 million, 2 millions, on fait 500 000. Allez assigner là. On l'argent même, il allait prendre là, c'est pour lui. Ah. L'argent vite, vite là. Mm-hmm. L'argent rapide là, c'est ça. C'est ça. Sinon, quelqu'un qui cherche son argent avec la chaîne, il va prendre 1 million comme ça, 1 million te donner pour une nuit comme ça. Ils sont beaucoup comme ça. Hein. Vous qui allez à Sini, donnez 1 500 000. Eh, hey, les filles là. C'est pas ça. Maman, elle a donné conseil. C'est là souvent, elle met dans les chambres d'hôtel, mais dans les résidences là. Tu vois, elles vont. Mais tu t'as mal, ta fille qui est jolie, 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 elle est décédée, elle est couchée là-bas. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a tué. Défalement, il te dit, hein, tes amis là. C'est un phénomène qui commence à devenir. L'argent est bon, mais l'homme est plus mieux que l'argent. Ça dit, l'argent, là, si tu souffres pour avoir, là, c'est ça qui est bon. C'est ça. Mais tu es assise là, l'argent est tombé, tu as pris, tu as mangé là. Et puis, il aime Naki, il aime Korosi. En tout cas. Ah, en tout cas, il aime Korosi. Ça, c'est Ndoula. Là, on fait un coucou à Afou Keïta en même temps, ma soeur. Oui, Afou et puis Mawa. Je leur dis merci du passage, mes enfants. Ouais. Dieu vous bénisse. Sans oublier, maman Aïcha Kone. Aïcha, tata là. Aïcha, je n'ai pas encore mangé mon kabatou. Aïcha. Et à Kenya, là, c'est dit. Maman, parlons de manger kabato. Comme tu n'as pas encore mangé ton kabato chez Aïcha, là, ce que tu voulais du président de la République, il t'a donné? Le président de la République en ce moment-là. Le président de la République de Côte d'Ivoire en ce moment-là. Monsieur Ouattara. Monsieur le président Alassane Ouattara. Oui. Non, il sait, lui-même, il sait. Est-ce que là, on est pressé? Ah, il n'a pas encore donné où il a donné. Il a ma maison, il va me donner. Il m'a appelé, il dit, il va donner dans 2 jours, là. Mais il dit, voyage, que s'il revient, il va donner. Mais comment tu fais alors? Tu dors où? Sa femme a dit, il n'a qu'à donner. Hein? Ah, comme il n'a pas encore donné maison, là. Donc, je dors dehors, quoi. Non, j'étais. J'étais dans une maison. Et la maison ne m'appartient pas, je loue. Oui. Le monsieur a dit qu'il y a son fils qui quitte en Europe. Qui doit, et qui est venu d'Europe, qui doit occuper sa maison. Donc, de quitter. Là, il y a combien d'années, maman? Il m'a donné 3 mois, délai 3 mois. Il y a combien d'années de cela? Que j'habite la maison. Non, que le problème de son fils qui est en Europe, vous devez quitter la maison là. Ce n'est qu'avant-hier là. Là, c'est récent. D'accord. C'est récemment là. Ça ne fait pas chose. Il a donné délai 3 mois. C'est ça, je suis allé à la radio, je dis chercher maison. On dit, il faut passer par quoi? Comment on les appelle même? Agence. À agence. Mais qui a dit de passer par agence? Agence, ça va voir maison. Il vient te dire, donne-moi 1 million. Tu t'en vas, tu ne vois pas maison. Mais... Donc, j'ai dit à la radio que le monsieur où j'habite chez lui, il dit de quitter sa maison, il va donner à son fils. Donc, vous les bienfaiteurs là, donnez-moi une maison, je vais habiter. Ce n'est pas comme si on m'a chassé, je suis en train de me coucher au dehors et puis j'ai dit ça. Mais donc, depuis le message est passé à notre président de la République là,
ça vaut combien de semaines, mais combien de mois, comme tu n'as pas encore une maison là. Moi, j'ai eu une maison, mon fils m'a cherché une maison, mais Alassane même m'a appelé, il dit d'attendre, il va me donner une maison. Aïe! Pour donner une maison là, il n'a pas le temps. Bon, en fait. Il faut lui dire pourquoi il n'a pas le temps et puis ça a duré. Toi-même, il faut lui dire, comme toi, tu es garçon là, il faut lui dire à la femme depuis là, pourquoi tu ne donnes pas la maison à Sidonie. Toi, il faut dire. Toi, faut dire. Quelqu'un te dit, il va te donner quelque chose. C'est toi qui es pressé. Toi-même, il faut lui dire, comme toi, tu es garçon là. Il a besoin de à la Conda. Voilà, tu n'as pas dit que c'est pas en la Conda. Va dire à la salle, donne maison à Sidonie, que tu as parlé là il y a trop longtemps. Si tu peux, tu es garçon, va dire. Non, en fait, moi le problème de maman. Elle et a... ça t'intéresse tellement, va dire. Non, moi-même, je vais profiter même dans, du problème de maman pour dire au président de la République que moi-même, la Conda a besoin de maison. Vous n'avez pas dit que vous chargez les gens. Ça dit votre télé là, quand je vous suis là, vous chargez. Moi je vous décharge. Ah maman, alors que le président trouve maison rapidement. Après du président là, quand tu me regardes là, je peux aller m'arrêter devant la salle, donne-moi maison aujourd'hui. Maman, ah. Moi j'ai parlé là, il dit qu'il est sous, qu'il n'a pas entendu. Je vous décharge aujourd'hui. Maman, avec voilà. Ta musique là, tu as fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Tu es la seule chanteuse baoulée aujourd'hui. Donc quoi là le... Seule chanteuse baoulée pour quoi? Mais qui sont comme toi. Tu ne vois pas Baoulé qui chante, c'est moi, mon nom, tu vas vendre. T'es la seule. Alors, mais maman, aujourd'hui, il est fort de constater que de toute ta génération, tu demeures et tu es là et tu perdures. C'est quoi le secret de ta longévité? Il y a un secret dans quoi? Non, peut-être qu'il y a un secret que les gens savent. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on appelle secret? J'ai fait quoi? C'est que tu as dit là. Ton gros français là, je n'ai pas bien compris. Vous parlez français terre à terre. Non, je veux dire, maman, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que tu es notre maman dans la sphère de la musique baoulée. On va dire qu'il y a, bon, je dirais, père à leurs âmes, il y a beaucoup de mamans qui nous ont quittés. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore là. C'est un plaisir de rester, de te savoir là. Est-ce que maman a un secret? Ceux qui sont partis là, je les ai trouvés ici. Oui. On n'est pas venus ensemble et puis... Ils sont partis pour me laisser. Ouais. Il n'y a pas de secret dans ça. Est-ce que la mort là, il y a un secret dedans? Dans ton village, la mort là, il y a un secret là-bas. Il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas de secret. Ça dit chanter là, on est avec. Mm-hmm. Je suis né avec. Le jour où Dieu m'appelle, je m'en vais. Mais quelqu'un sur terre ici qui va dire que oui, celle-là, je vais couper son âme là en deux, trois. La mentir, tu ne peux pas. Faire, ne peux pas couper, faire. Mais on dit faire, coupe, faire, non? Oui. Mais moi, faire, peut pas couper, faire. Ouais, c'est pas... Je vis. Maman, quand tu dis faire, peut pas couper, faire, là, tu fais fétiche. Il y a faire et puis il y a faire. Ah, il y a faire et puis il y a faire. Il y a bois et puis il y a bois. Il y a iroko. Il y a iroko. Les bois, là, il y a iroko. Il y a baobab. Il y a baobab. Il y a bois et puis il y a bois. Vous n'avez pas dit, je vous décharge. Ok, nous on est déjà allé. Quand tu commences la musique traditionnelle, qui était ta concurrente à ton époque? Quand tu commences dans ta première année, deuxième année, qui était ta concurrente? Concurrent, hein? Je n'avais pas de concurrent parce que je ne suis pas envieuse, je n'en voulais non, personne. Non, dans la musique. Dans la non, musique. Non, je n'en voulais personne parce que je n'avais pas de concurrence. Non, parce que moi, j'étais avec Pondo Kwaku. D'accord. Yahou Kwaku Michel, d'accord. Guy Barcel, c'est-à-dire ceux-là, et ils partaient en basse-côte. Ou bien c'est pas ce qu'on dit. En basse-côte. Ils vont jusqu'à. S'ils reviennent là, ils arrivent à Yamchokro. Michel doit aller chez lui, Bondo doit aller chez lui, d'accord. Marcel doit aller chez lui. Mais ils vont faire une semaine avec moi à Yamchokro. Sûrement là, je ne chantais pas guitare. J'étais. C'est-à-dire, ils m'aimaient comme ça, parce que moi-même, j'aime tout le monde. C'est vrai. Ils viennent, ils vont payer, ils viennent de Brusco, je prépare. Ils vont faire une semaine chez moi. Quand ils finissent, ils partagent leur argent chez moi. Ils me donnent un peu, ah, je suis leur servante. Voilà. Madame a tout fait. Va appeler celle-là, c'est moi qui m'en vais. Et je leur cède ma maison. À Yamsoukro, maison n'était pas chère. Maison Zahéra, tu as pris tout. 6 chambres là, 10 000. Ouais. Autant de fouilles. Autant de fouilles. 10 000. Je suis dedans, moi, je suis
avec mes six camarades. Chambres, 10 000 par. Donc quand ils viennent, au lieu d'aller louer l'hôtel, ils restent chez moi, ils mangent chez moi. Et puis moi-même, je mange aussi. Ouais. Et ils s'est préparé. Je suis resté avec lui comme ça jusqu'à aujourd'hui. Maman, qu'est-ce qui devient Nguesse Bonsens? Nguesse Bonsens, on ne connaît pas trop. Nguesse Bonsens, il est là. Il est là. Il devient quoi? Il chante toujours. Il fait quoi? Il chante. Il était au palais. C'est lui qui a chanté au palais avant moi. Mm-hmm. Tu me demandes qu'est-ce qu'il devient? Mm-hmm. C'est quelle parole ça? C'est à moi que tu vas demander qu'est-ce qu'il devient. Moi, dans ma bouche. C'est-à-dire, ma bouche, ça prend pour manger ton piment. Demain, il va dire dans votre télé là, si Denis allait s'asseoir là-bas, ce qu'elle allait faire là, elle n'a pas fait, c'est de Nguesse Bonsens, elle allait parler. Il y a fait d'enfer. Ah, il y a fait d'enfer. Mais maman, récemment, on a vu, tu étais en pleine promo pour ton concert. Et pendant ta promo, tu étais avec ta fille Doxiao. Et il y a eu un clash entre elle et une blogueuse. Baoulé, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que nous, on n'a pas trop compris. Ça, c'est entré là-bas. Moi, je ne connais rien dedans. Mais maman, ça coûte de toi un peu. Et Doxiao, je ne suis pas allé comme. C'est elle-même qui voulait me voir pour faire. Parce que quand tu dois jouer, vous faites. Comment on a. Les vidéos directes. Voilà, les vidéos directes pour parler. Non, venez, venez, venez. On est parti. Elle dit qu'elle n'est pas Baoulé. Mm-hmm. Le fait qu'elle dit qu'elle n'aime pas parler le Baoulé là, elle est Baoulé mais elle n'aime pas parler le Baoulé. Baoulé, c'est ça qui a choqué la petite fille. Mais moi je les ai demandé pardon, c'est fini. Ça là aussi c'est votre problème. Non, nous on veut savoir un peu plus ou moins ce qui s'est passé, c'est juste... Ça s'est passé, c'est fini. À cause de quoi tu m'as appelé là, on n'a qu'à parler de ça. Voilà. Maman, comme ça vaut, on ne sait plus combien d'années tu es dans le show, tu chantes. Est-ce que le pays t'a déjà décoré, t'a récompensé? On m'a décoré trois fois. Trois fois. Décoration là, c'est que j'attends là, c'est ça, je parle à papa Alassane Ouattara. Non, qui décoration est mon papa. Là, ils n'ont pas donné l'argent. Décoration de la présence, c'est-à-dire quand tu décores de la présence directe, en tenant l'argent. Payé par moi là, c'est ça, j'attends. Mais maman, c'est quelle décoration toi t'as eu? Décoration là, il y en a trop, je ne peux pas. Non, c'est que toi, ça. Ils ont fait pour toi là, il n'y a pas l'argent dedans. Ils ont fait pour moi là, il n'y a pas l'argent dedans. Décoration, ils m'ont décoré qu'après de six fois là, je n'ai donc, pas vu l'argent. Donc tu payes ton carburant aller au palais présidentiel, on te décore, puis tu payes ton carburant encore pour aller à la maison. Pourquoi je vais à la présence? C'est pas la présence, on nous décore. Ah, c'est où? Ceux-mêmes, ils ont décoré là, ils leur ont donné combien? Tu as demandé, ils t'ont dit quoi? Non, comme... Ils t'ont dit, ils leur ont donné. Non, moi je suis surpris, je pense que quand on dit. Non, décoration là, c'est quand c'est pour la présence là. Mm-hmm. Là, chaque fin de mois, on te donne 10 millions pour que tu mailles. Mais entre ça et maison, tu préfères quoi? Hein? Entre ça au pays, le président te donne maison. Tu préfères quoi? Décoration chaque mois, 10 millions, mais on te donne maison, c'est fini. Alors... la... Alors, maman, c'est donné, dis-nous un peu. Bon, tes chansons en général, maman, ça parle de quoi? Quand on entend Amélie, bon, on nous a dit. C'est Mélie. Mélie. Mélie, ouais, Mélie, oui. Tout ce qui pèse. Tout ce qui pèse. Mm. Mais ça parle de quoi, le fond, là? Ça parle de ce qui pèse. Ceux qui ont l'argent, mm-hmm. ceux qui sont riches. Mm-hmm. Il y a d'autres aussi qui sont gros cadeaux. Mm-hmm. Ils n'ont rien. Mais il grossit seulement. C'est dit, ça parle. Le mail, il parle de tout ce qui pèse l'argent. Tout ce qui est bon aussi. Tout ce qui est bon. Voilà. Mais pourquoi les gens, souvent, par moment, sur la toile, ils disent non que les chansons que tu chantes souvent, il y a des petits mots vulgaires dedans, tout ça. Ça c'est... Les vulgaires, c'est les mêmes propres d'eux. Moi, je n'insulte personne. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Non, pas des jus. Bon, genre des mais choses. Mais vulgaire, comment? Si toi, moi, je ne parle pas à faire de coucher. Quoi. Tu m'as, tout de suite, je suis assis ici, là. On est en train de parler, là. Tu m'as vu parler à faire des. Quoi, dedans. Mmh. Ah, okay. D'affaires des enfants, là, tu m'as vu en train de parler dedans. Non, parce que comme c'est pas tout le monde. Par là. Oui. Je ne suis pas vulgaire, ça dépend d'eux-mêmes. Mmh, d'accord. Parce que tout le monde ne comprend pas le Baoulé. Apprendrait. Ou Apendré. C'est à cause d'Apendré, on dit je suis vulgaire. D'accord. C'est quoi Apendré? Apendré, c'est le rogné fané. Tu vois, voilà, lui, il dit la Alaconda, il tue les gens. Alaconda, il est jeune. Oui. Et ça va prendre une petite vie bien fraîche, Ningo. Mm-hmm. D'après vous-même, dans votre jargon, c'est fraîche, Ningo. Mm-hmm. La fille devient, elle fait 3, 4, 5 enfants. Elle est devenue quoi? Fanée. Mmh. C'est-à-dire, quand il va lui parler, il est sous l'oké, pousse là-bas. C'est lui à la condamna qui fait ça. Mmh. Alors, pousse là-bas. Mmh. Maintenant, il cherche un nouveau. En tant lui-même, quand il vieillit, il est devenu vieux, il vieillit là. Mmh. C'était ce qu'il a de ça. Mais moi, tu as pas de ça. On demande à Madrugo,
la femme, elle, ses seins sont devenus placali. Mm-hmm. Oui. Elle est fanée. Mm-hmm. Toi aussi, là-bas, là, on demande un white grand gris. Quand vous vieillissez, là, la descend, non? Vous n'avez pas dit vous voulez, ben, chargez-moi, je vous décharge. Ah, d'un moment, donc, si on comprend bien, c'est une affaire de, comme lui, il parle des seins tombés, Donc toi aussi, lui répond. Voilà, Nyamanima, là, est tombé. Pour toi, là aussi, est tombé. Ça descend seulement, ça monte plus. C'est que toi aussi, tu es fané. C'est le rogné fané. Donc, c'est ça que le rogné fané. Toi, tu parles pour femme. Femme ne peut pas parler pour toi parce que quoi. Ah, donc, c'est à cause de ça qu'ils disent que tes chansons sont vulgaires. Sinon, mes chansons, là, les autres, là, il n'y a pas. Il n'y a pas ça dedans. Ça dedans, mais. Ah, donc, c'est l'attaque. Quoi, à peine, tu m'as attaqué, je t'ai attaqué. Ah. Vieille femme comme ça. Fais femme comme ça, on te demande un mandrika avec moi. C'est ça le problème. C'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'il s'agit. Mais maman, maintenant, en parlant de tout ça, aujourd'hui, bon, on écoute tes chansons, tout le monde n'est pas baoulé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en général, tes thèmes que tu chantes, c'est basé sur quoi? Sur les choses de la vie? Il faut aussi les gens. Mm-hmm. Tel que moi-même que je suis assise là, orpheline, des fois tu penses, quand tu penses à tes parents, mm-hmm. tu n'as pas sommeil, je chante ça, je chante la vie, mm-hmm. je chante la vérité, mm-hmm. c'est tout. C'est tout. Mm-hmm. Mais quelles sont tes sources d'inspiration? Parce que quand, avant de monter sur scène, si tu as un concert, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu prends pour t'inspirer? Ça là, t'as dit la chanson là, une fois, c'est comme ton travail. Voilà, quand ça commence. Si on t'appelle pour aller faire quelque chose, toi-même, façon tu es habillé, quand tu regardes, tu dis non, je ne peux pas prendre ce corps. Pour aller là-bas. Ça dit, c'est un truc comme si tu. Dans le temps, je faisais le chant. Je vais au chant, je travaille. Mm-hmm. Ça dit, une fois habillé des chants là, t'as touché là, tu ne peux plus rester au village. Mm-hmm. Tu as envie d'aller au chant seulement. Parce qu'on a reçu Fouquita, Anaconda lui a demandé comment elle s'inspire. Elle dit elle boit l'eau glacée. Moi, je ne bois pas pour m'inspirer. Ça, c'est un truc, ça est dans ta tête. Une fois, on dit va faire ça. Et boum. Ça dit quand tu regardes les gens là, tu te demandes qu'est-ce qui peut plaire aux gens. Mmh. Moi, déjà, ça monte. Ouais. Je suis parti. Boire de l'eau, boire café, je ne suis pas dedans. Maman, tu es 100% baoulé, tu n'es pas mélangé. Hein. Je suis 100% baoulé. Mm-hmm. Mais ma maman qui m'a accouché, mm-hmm. sa petite soeur s'est mariée à un djoula. Mm-hmm. Sa cousine directe. D'accord. S'est mariée à un djoula. Monsieur Suleiman Konaté. Mm-hmm. Je lui salue de passage. Père à son âme. Donc tu es mélangé. Qui a marié ma tante. Mm-hmm. Et elle, moi. J'ai été élevé par cette femme. D'accord. Donc j'ai été élevé par les djoula. Ah, d'accord. Donc djoula la même me plaît plus que baoulé. Ah, d'accord. J'ai demandé. Bah, dans djoula là, tout ce que je veux faire, je fais. En fait, pourquoi j'ai demandé pourquoi tu es 100% baoulé? Comment on fait des maisons là? On n'a pas entendu que tu as appelé le président Bédié pour lui dire que tu as prouvé des maisons aussi. Président Bédié, même demain, je m'en vais là-bas. Ah, voilà. Ok. Pourquoi je ne peux pas appeler le président Bédié pour lui dire que j'ai affaire des maisons? Mmh. C'est Alassane qui nous commande aujourd'hui. C'est lui qui est là. C'est lui qui va me donner maison. Le président Bédié, il était président de Côte d'Ivoire aussi. Il est président de Côte d'Ivoire. Lui, il peut me donner maison. Mmh. Mais aujourd'hui, là, non. Il ne faut pas me chercher. Tu me charges, je te décharge. Mmh. Aujourd'hui, vous dites que j'ai demandé maison à Alassane. Ça ne vous plaît pas. Non, on n'a pas dit que ça nous plaît. Alassane, là, c'est ton parent. Non, ça nous plaît. Mais comme Bédié, mais il y a des. Je suis Doula. C'est à cause de ça que tu m'as demandé ça. Aujourd'hui, c'est Alassane qui est là. Mm-hmm. Hein? C'est pas lui qui est là. Oui, c'est tout le monde sait que c'est lui qui est là. Mm-hmm. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui. Je vais dire, je vais dire, il est président de la République. Mais il a les moyens de donner raison à il est président PDCI. Oui. Il n'est pas président de la République. Je sais, si je m'en vais chez lui, je lui dis, donne-moi une maison, il va me donner. Mais le fait que c'est Alassane qui est là, c'est lui qui doit me donner la maison. L'argent de Bédié, là, ça te plaît pas? Quoi de Bédié? L'argent de Bédié, ça te plaît pas? Bédié, il m'a. La papa, quand j'ai fait. Chose.
le concert au palais là. Mm-hmm. Il m'a donné 2 millions, ouais. Il m'a reçu. On a vu les photos. Pourquoi je n'aime pas son argent? Mais aujourd'hui, je demande maison à Alassane, je demande à toi. C'est Alassane qui est président de la République. Moi, je suis sa fille, j'ai trop fait pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, quand me donner maison, c'est voilà, pas là. Maman a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Hein? Ouais. Je vais à Paris, je vais quoi, quoi, quoi. Mm-hmm. Je fais tout pour Alassane. Fait campagne. C'est lui qui est là. C'est à cause de quoi on fait quoi? C'est à cause de quelque chose, on fait quelque chose. Mais maman, dans ce cas-là, mais tu n'as même pas besoin de demander maison à Alassane Ouattara, le président, il devait te donner directement. Va comme lui dire, il va me donner directement. Comme récompense. Parce que vous-même, les coupeurs de route, vous êtes partout là. Vous pouvez laisser quelqu'un rentrer chez Alassane Ouattara. Ah oui. C'est toi-même qui m'a provoqué. Oui, va dire à Alassane, comme toi, tu te lèves comme ça, tu rentres là-bas là. Va lui dire, président Alassane Ouattara, Sidonie la Tigresse dit qu'elle a trop fait, elle souffre. Et puis avec l'âge là, j'ai vieilli. Il n'a qu'à me donner maison. Ouais. Papa, papa président Ouattara, notre maman est là. À l'entendre parler, elle a besoin de votre soutien. Mais il y a les coupeurs de route. Il y a les coupeurs de route auprès de vous qui font que par moment... Le message n'arrive pas. Le message n'arrive pas. Monsieur le président, maman Anaconda aussi a besoin de maison. Oui, si même là, il ne peut pas m'appeler pour me dire si Sidonie vient prendre maison. D'accord. Alors, le Fafa d'aujourd'hui là, c'est pas petit Fafa, la légende Sidonie. Maman, entre toutes tes chansons là, c'est laquelle qui te plaît? Qui te plaît? C'est moi-même qui ai chanté tout. Ouais. C'est comme si tu, quand tu fais tes enfants, on te dit c'est lequel qui te plaît. Il y en a qui ont des préférences. Moi, j'aime tout. Tu as combien d'enfants? Ce sont mes enfants. J'en ai 3, il y en a 4, il y en a un qui est parti. Ils sont restés 3. Ouais, j'ai des petits-enfants, je les comme beaucoup, ça, ils sont là-bas. Ah, c'est bien. Donc maman est grande maman. Grande maman. Bah, j'ai un petit, la même jolie qu'à toi. Non, maman, aujourd'hui, où tu es là? Tu es RDR. Moi. Un artiste est comme un prisonnier. On n'a pas de choix. Nous, on est passe-partout. Je suis une clé passe-partout. Partout, tu me mets, tu peux ouvrir ta porte. Je ne peux pas être un DR, je ne peux pas être PDCI, je ne peux pas être quoi, tout. Je suis Sidonie. Parce que partout, on m'appelle, je vais. Mais... Non, je ne peux pas suivre quelqu'un seul qui ne peut pas faire quelque chose pour moi. Je suis pour eux tous. Mais maman, il faut avoir un choix. Tu peux pas je ne peux pas choisir. Ici. Il faut me mettre en prison pour ça. Je ne peux pas choisir. C'est ma bouche que tu apprends pour manger ton piment. Je ne peux pas être pour quelqu'un seul. Mais peut-être c'est à cause de ça la maison. Moi, je les aime. Hein? Peut-être c'est à cause de ça la maison, là, ça dure depuis là. Parce qu'il n'a pas choisi son camp. Je ne peux pas. Il ne faut pas, il va me donner. Lui-même, il est là, il sait de quoi il s'agit. Donc, il va me donner. Maman, il va te donner. Voilà. Il va me donner. Même, c'est passé, maman Dominique, celle qui est ma confidence là, c'est maman Dominique. C'est passé, elle n'est pas en place. Sinon, maison là, c'est zéro. Alors, là, c'est comme zéro. C'est madame Bédier, demain, je suis avec elle, je vais, je dis, maman, je veux maison, elle va me donner. Moi, je ne suis pas à couteau à double face qui fait ça, je suis pour tout le monde. Tout le monde, voilà. Maman, est-ce que tu peux me faire une petite acapella de Méli? J'aime trop la chanson. Mini Abraha, si j'avais dit, Nami, un fou, tu as un beau, tu as un guéri, mon fou, à quoi tu as pas guéri, c'est pas moi qui ai frappé le chien et puis il a fait bobo sur lui. Quand je venais, le chien là, il avait fait son bobo, il était assis dedans. Mélié, les gars, là, souvent, Mélido, à souvent, Mélia. Non, c'est ma chanson. Non, maman, j'aime tout la chanson. Pas. Il ne dit pas baoulé, mais on dirait qu'il comprend ce que tu dis. Ah, c'est ça le problème. Ah, là, Mélila a son problème. Moi-même, j'ai mes problèmes. Assoumane, Mélie. Mélie, dans Assoumane. Mélie, oui. Ah, Mélie. Mélie, dans Assoumane, Mélie. Assoumane, Mélie. Voilà. Maman, à l'époque, père a son enterré de bon rapport avec elle, à la Thérèse. Oui, c'est maman. Maman, là, Thérèse, elle n'avait pas un problème avec quelqu'un, tanti ou sous même chose. Ouais. En tout cas, on a vécu comme ça. Moi, comme je me fais petit partout, là, voilà.
on s'entendait très, 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 très. Mais pourquoi très le public voulait chercher forcément à vous comparer? Parce que moi, je n'ai pas apprécié cette époque. Comparer qui et qui? Un moment, ils voulaient chercher à mettre des rivalités entre toi et puis tes mamans là-dedans. Mais publics, maman, lesquelles? À la Thérèse, on disait, ah, est-ce que Sidonie est plus forte qu'à la Thérèse? Non, non, moi, je n'ai jamais entendu ça. Ah, sinon, souvent, les gens... Allah, elle chante avec son accordion. Mm-hmm. Moi, je chante avec ta guitare. Il y a une autre aussi là, c'est Antoinette Conan, non? Antoinette, elle chante avec son Aoko. Elle est intellectuelle, elle chante avec Aoko. Mm-hmm. Je crois que c'est là et tout ça là. Mm-hmm. Je ne sais pas lire ni écrire. Mm-hmm. Il va aller me comparer à elle, pourquoi? Non, c'est dans la chanson en fait. Elle, dans la chanson, elle chante à Godet, moi je chante Nana Foué. Nana Foué. On ne peut pas nous comparer ensemble. C'est différent, calme-moi. Les Bangou et Godet là, ils viennent d'où? Ils sont de Béomi. Béomi? D'accord. Vous, c'est Yamso. Ils ont leur manière de parler, mais c'est le baoulé, toujours le baoulé, comme l'agni. Voilà. Bédé, lui, quels sont les baoulés? Il a agba manioc. Agba manioc. Agba manioc. Tu connais? Les agba, là, nous, on est, comme il y a l'alliance entre nous, mm-hmm. on les appelle les manioc. Agba. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça, c'est alliance d'attachement qui est entre vous. Mm-hmm. Ceux de Daoukro, là. Ah, même les godets, là. C'est nous les Bablés. Nous, on se dit que nous, c'est nous qui sommes les Bablés. Ils sont rien. Ils sont rien. Voilà, c'est comme ça. C'est entre nous, ça. C'est alliance. Alliance. L'actualité musicale du moment. Alors, maman, c'est pour quand la prochaine sortie? Prochaine sortie, je ne peux pas sortir. Je ne sors plus et puis je ne sortirai plus. Je vais sortir là. J'ai fait un seul morceau. Oui. Parce que vous, les Africains, vous n'y êtes pas bons. Vous êtes méchants. D'accord. Tout, maman. Vous avez appelé quelqu'un, on les appelle les pirates. 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 Tu vas rentrer en studio, payer 10 millions, 20 millions. C'est pour pirates. Mais pourquoi Birida ne protège pas vos œuvres? Quel Birida qui va lui demander pourquoi il ne peut pas protéger? Mmh. Mais maman, est-ce que tu as pris un peu d'argent au Birida ces temps-ci? Moi, je ne vais pas prendre l'argent là-bas. Hein. Pourquoi? Moi, je prends mon droit, je ne prends pas l'argent. Je n'ai jamais demandé crédit à Brida pour faire mon travail. Et puis, je me produis moi-même. Mais est-ce qu'il te paye tous les droits qu'il se fout? Il va avoir l'argent ou même pour te payer. Brida, on a construit ensemble là. Il y a 1000 personnes qui travaillent là-bas. Votre argent, petit argent, ils doivent te donner là. C'est ça qu'ils prennent pour payer Brida. Il y a 1000 personnes qui travaillent au Brida. Moi, je vais aller. Demande-leur. Je ne suis jamais allé là-bas comme ça. Je n'ai même pas, parce que je ne veux même pas leur argent là même encore. Après toutes ces années de carrière. Je ne vais pas là-bas. D'accord. Anaconda. Finalement, le Brida apporte quoi aux artistes ivoiriens alors? Quand je suis à la télé là, on me dit, oui, celui-là est président de Brida. Moi, on me convoque pas pour dire, y aller regarder qui est président, qui est sage-femme, qui est. Mm-hmm. Quoi là-bas? Je ne sais pas. Waouh! D'accord. C'est que je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Mmh. Ouais. Alors, maman, ton message, parce que par rapport à ta douleur. Mon message, c'est mon message. Toi-même, tu m'as surchargé. Quand je t'ai déchargé, j'ai dit de dire au monsieur. Au président de la République. Monsieur Alassane Ouattara. Monsieur Henri Konan Bédié, voilà, je vous aime. Entendez-vous, nous voulons la paix. Mais si aujourd'hui j'ai dit au président Alassane de me donner une maison, ce n'est pas parce que Bédié est mort, Bédié est là. Mais aujourd'hui c'est Alassane qui est là. Il n'a qu'à... C'est ce que vous ne voulez pas entendre, vous allez entendre. C'est Alassane qui est là, c'est lui que je vois, c'est lui que je connais. Il n'a qu'à me donner une maison. Okay, à cause de maison, là, mon nom est gâté. Elle allait demander une maison. Anaconda, il ne faut même pas lui donner une maison. Voilà. Mais là, comment ils peuvent aller gâter ton nom parce qu'il t'a demandé maison à ton président? Partout! Mon nom est gâté. Oh. J'ai demandé maison. Si je demande maison à la scène, il est là pour quoi? Il est là pour nous, non? C'est ton président? Il fait un bouton, il fait maison partout, partout. Je n'ai pas maison, donne-moi maison. Je t'ai parlé, donne-moi maison. Ouais. Non, si ça prend du temps, pourquoi le président Babo? Il a mordé, ourné. Il est là. Ah! Mais maman, il y a un autre truc aussi. Les promoteurs du spectacle qu'on a rencontrés, on a essayé de poser des questions sur toi. Ils disent que tu aimes trop pas la
que eux, tu les fasses. Hey yo, je n'aime pas parler, c'est ça on entend. J'aime la vérité. Et puis je veux pas donner ton avis. Quand tu aimes la vérité, on dit que tu es compliqué. Tu aimes pas la. C'est comme mais moi. C'est rouge. Donc, tu dis, il n'y a qu'à dire c'est blanc. C'est pas possible. Parce que je suis serré. Je dis non, c'est rouge. En fait, la... c'est ça, il fait Anaconda tous les jours ici et puis il ne comprend pas. Quand il dit ça, il dit bon, non. Bon, tu vas venir me dire, va faire mon spectacle. Je suis parti, on a parlé, on s'est entendu. On s'est entendu. Ouais. Donc, mon agent, tu ne peux pas donner, tu fuis. Ah. Donc, quand ça ne les arrange pas comme ça, ils disent, tu n'aimes pas la il y a même. D'autres qui s'en vont avec, hein. Mais je te suis, quand c'est un truc, tu as donné, je n'aime pas la blague. Oui, donc, donc quelqu'un a fait ça, cadeau. Et cadeau. Donc, ça cause, ils disent, tu n'aimes pas la blague. Sinon, je n'aime pas la blague. Il faut aimer pas la blague. Là, même si c'est tu bon. Aimes, même c'est bon. C'est ça que on te respecte. On te respecte. Alors, à la Gonda. Non, maman, elle a tout dit, carrière musicale. Oui, elle ne sait elle, pas. Elle manager, mais le problème clé. C'est le problème des maisons. Donc moi, j'ai suggéré, monsieur le président Henri Konabédié, le président Gbagbo, j'ai bien même de rajouter notre nom encore, qui est Didier Drogba, on ne sait jamais. Un Drogba, là, je ne l'ai jamais croisé. Voilà, comment on dit pourquoi j'ai dit à la Sainte de me donner maison. Donc Drogba, mes enfants, il y a mes soeurs là qui m'ont dit que tu es bien placé aussi pour voilà. Ça. Donne-moi une maison, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, on va tirer le mot de fin maintenant. Oui. Ah, tu parles de Tini, donc aller voir. Non. Gbagbo. Oui. Gbagbo, où il a quitté, il est venu là, il se repose. Mais Drogba le récompense, non. Mm-hmm. Peut le remplacer. Drogba, voilà. Au lieu de Gbagbo, on me donne. Tous ces présidents-là, j'ai battu campagne pour eux tous. Il n'y a pas un qui va me dire que Sidoni n'a pas battu ma campagne. Ah, voilà. J'ai donc... tout fait. Je suis fatigué. Donnez-moi maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand ils sont élus, ils t'oublient. C'est dur à quoi? C'est la coupe de route. Pour Gbagbo, là, c'était Alou. Alou, il a coupé la route comme donc, ça. Donc, Gbagbo a donné l'argent. Oh. Et jeune Alou a pris l'argent. Là. Il a et coupé. Tout ça. Gbagbo a fait quartier là-bas, on dit Sidoni a une maison là-bas. Oui. Je suis parti, maison là, ils ont mis dessus, ils ne touchent pas. Je ne gâte pas son nom, hein. Vous dites, vous voulez le direct. Oui, je ne gâte pas son nom, je n'ai pas dit nom de Gbagbo, c'est toi-même qui a envoyé nom de Gbagbo. Gbagbo, en tout cas, j'ai battu sa campagne, j'ai tout fait. Maison, il a donné là. Alou, j'ai dit Alou. Alou est jeune, oui. Je n'ai pas vu maison. C'est resté avec eux. L'argent même, ils ne donnent pas à moi. Ils ne m'ont jamais donné, même 5 francs. Je n'ai pas eu. Mais en ce moment, l'argent que le président Ouattara donne par mois, là, tu reçois aussi pour les artistes, là, oui. Oui, je reçois. C'est combien par mois? Je ne peux pas te dire. Ah. À la cause, avez-vous commencé à chanter pour avoir un peu aussi? À la cause, je vais te faire inscription. D'accord. Maman, il faut le mettre en studio. Tu as composé une chanson pour lui. Là, il va t'accompagner pour aller prendre l'argent aussi un peu. Autant compositeur. D'accord. Voilà. Alors, maman, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Ok. On t'a reçu dans cette émission parce que voilà. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Tous ceux qui m'ont accompagné au Palais de la Culture, je ne peux pas dire le nom de telle personne, dire le nom de telle personne, puis laisser les autres. Je ne peux pas, je ne pourrais même pas dire leur nom parce qu'ils sont trop. Je leur dis merci. Mes parents de Korogo, mes parents de Ferke qui ont pris les cas pour venir, je leur dis merci. Les gens de Boaké qui ont pris des cas pour venir, je leur dis merci. Yam Chokro, c'est gâté. Je ne sais pas, c'est ça que j'ai dit. Je ne peux pas appeler quelqu'un pour te dire merci. Mais je remercie tout le monde. Les maires, les députés d'Abidjan, d'Abouachokoua, tout. Je vous dis merci. Même les présidents, je leur dis merci. Le président Alassane, même quand je faisais mon truc, il n'était pas là. Il dit de venir prendre l'argent. Mais depuis là, il ne m'appelle pas. Concert encore, il a promis, tu n'as pas vu. Il n'a pas encore. Ce n'est pas les coupés. Des routes. Voilà. Non, là, il n'y a pas. Il était en France. Là. Il est venu. Il va m'appeler. Je suis sa fille. Non, ça sera réglé. Conseil, là, toi, mais tu n'as pas vu. Conseil, j'ai rempli la 4000 places du cadre versé, là. Non, oui. Tu as fait le plein de bonnes. Qui peut faire ça? Maman, tu connais Apoutou National? Apoutou, le fils de Bleu. Ma soeur, là. Oh, oui, le ah, il est gentil, hein? Je le vois comme ça à la télé. Il est très gentil, puis il a bon cœur. Mais sa maman vit. Ouais. Mesdames et messieurs, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Anaconda, toujours dans ses mouvements. Je salue tout le monde, mes parents de Yam Chokro, mes parents de Mbetsu, Zre Djimou,
Hey, mon mari, Konan, Manu, Filon, monsieur a tout fait. Merci beaucoup, longue vie à toi. Amen. Voilà. Et celui qui chante son nom à Jean, et puis tu dis joli garçon là. Qui je chante son nom? Dans Méli là, tu dis un nom. Méli. Ouais, il y a un nom. Tu dis joli garçon dedans. Tu dis un nom d'une personne. Il est décédé. Ah, ok. C'est le frère de Jean Bani. Jean Bani, voilà. Charles Bani. Charles Bani, joli garçon. Ah, oui, il y a couleur. Si, ok. Alors, merci, dames et messieurs, vous qui nous avez suivis depuis les quatre coins du monde. Nous étions avec la légende Sidonie la Tigresse, notre maman. Elle a fait beaucoup pour cette nation. Parlant de musique, elle est encore là. Alors, n'oubliez surtout pas, très chers parents, très chers papas du gouvernement, pensez à notre maman parce qu'elle fait beaucoup pour cette, elle a fait beaucoup pour ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Elle vient encore de remplir la 4000 places au palais de la culture. Merci, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. La grande famille, la marraine Matilda, tous ceux qui sont avec nous dans les directs. Anaconda, Serge Dufalé, vous dit big up depuis Paris. Soumir Benjamin, la grande famille, Dion Ange Mempis. Big up à tous et à tous. Merci et sortez toujours couverts.